que je n'ai pas cité. Mais c'est simplement la musique, en fait, qui doit sûrement être inspirée de Dirty Dancing, qui est un esprit jamaïcain. Voilà, exactement. Voilà, et en fait, je pense que le beatmaker ou le compositeur qui a repris cet instrumental a dû sûrement s'en inspirer. Et en fait, dans la tradition jamaïcaine, ils font souvent ce qu'ils appellent des one rhythm. C'est-à-dire que sur un instrumental, il y a plusieurs artistes qui posent. Et sauf que celui-là, il y a des artistes comme Butch Banton, Jamison, etc. Et c'est vrai que c'est un esprit qui me parle beaucoup. Et je trouve qu'il ramène un petit côté rock and roll. Et c'est vrai que maintenant, tu me fais tilter sur le fait que ce soit. Et pourtant, c'est un film que j'ai regardé plein de fois quand j'étais plus jeune. Du coup, je vais en discuter. Je vais te poser une dernière question par rapport à tes engagements. Tu en parles beaucoup dans tes textes. Merci beaucoup parce que ça parle à la nouvelle génération. Est-ce que tu es également engagé auprès d'associations? Oui, je suis engagé auprès d'associations directement et indirectement. Je soutiens pas mal de causes, notamment on a eu un problème de bavure policière en Guadeloupe avec l'affaire Claude Jean-Pierre, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc là je soutiens la famille vraiment corps et âme, on a fait une chanson de soutien. Et puis ils viennent faire des scènes avec moi quand c'est possible, enfin on essaie de. Mais tant qu'on n'a pas obtenu justice, on continue à soutenir. On soutient aussi les constructions du puits au Tchad avec l'association World for Tchad, avec laquelle on a fait aussi pas mal de concerts caritatifs. On a fait aussi pas mal de choses avec l'association Rasta du Cœur. SOS Méditerranée aussi SOS Méditerranée, indirectement avec Bali. Mais en fait, j'ai pas forcément d'affiliation directe. Mais je suis un peu, on va dire, le bon client pour toutes les associations qui militent pour les bonnes causes. Donc dès qu'il y a, enfin les jeunes connaissent aussi pour ça, dès qu'il y a une voix à porter, pour un soutien, quel qu'il soit,